Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais nettoyer les loulous parce que oui, ça fait deux jours qu'on a eu du très beau soleil avec le printemps et je me suis dit autant les nettoyer avec toute la boue qu'ils ont sur eux, sur leurs membres et aussi sur leur corps. Mais je me suis dit, vu que je vais devoir utiliser le tuyau d'arrosage, pourquoi pas vous faire un qui est le plus courageux avec l'eau. Vous allez me dire, j'avais déjà fait une vidéo où on les voyait dans une piscine, sauf qu'une piscine c'est pas comme un tuyau, parce que le tuyau va donner une pression, alors que la piscine c'est comme si on avait mis de l'eau dans un bac. Du coup on va voir lequel de mes deux loulous sera le plus courageux. Donc je tiens à préciser, je ne vais pas les nettoyer entièrement, je vais juste passer le tuyau d'arrosage sur leurs membres, parce que c'est là où il y a eu le plus de boue qui a séché dessus, et avec les brosses je n'arrive pas à l'enlever. Donc je tiens à préciser que j'avais déjà fait l'expérience une fois avec le tuyau, mais aujourd'hui on va voir comment les deux loulous se débrouillent réellement et vous allez me dire à la fin lequel pour vous sera le plus courageux. J'ai ma petite gossip qui pose sa tête sur mon, dans mon dos, hein, ma chérie. Donc on va commencer tout ça, c'est parti. Là je l'ai un peu mouillé parce qu'il avait un peu chaud, mais je le savonne pas, c'était simplement pour enlever les grosses boules de terre qu'il avait. Et là je vais aller le sécher et le laisser brouter tranquillement et on va passer à gossip. Alors mon loulou, c'était bien? C'était bien mon bébé? Non mais mon chéri, regardez-moi cette chipie sur le chemin. Alors gossip, c'est à ton tour. Thank you.
Voilà, je viens de terminer avec ma petite Glossy. Elle a été très courageuse. Donc là, comme pour Bibi, je vais aller la sécher un peu et après elle va sécher à l'air libre avec le très beau soleil que nous avons aujourd'hui. Puis voilà, c'est bien ma chouchou, c'est bien ma fille, c'est bien ma chérie. Moi par contre j'ai les mains, les bras tout sales. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, je viens de terminer les loulous, donc je tiens à répéter de nouveau que je ne souhaitais pas les laver entièrement. J'ai simplement pris le jet d'eau pour enlever les morceaux de terre qui étaient tout séchés sur leurs membres et sous le ventre. Parce que comme on dit pour les humains, en avril ne te découvre pas d'un fil, donc je ne souhaite pas laver entièrement mes loulous avec du savon, sachant que d'ici demain et après-demain, les temps vont de nouveau se rafraîchir et la pluie va être de nouveau au rendez-vous. Donc voilà, je ne souhaite pas qu'ils tombent malades à cause d'un coup de froid. Donc j'attends entièrement que leur poil soit tombé avant de leur faire leur toute première douche complète. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et du coup, n'hésitez pas à me dire par commentaire qui de Bilbao ou de Gossip a été le plus courageux selon vous. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Mouah. Bye bye!